muy buenos días, amigos de la skatosphère. Ou devrait-on dire bonjour à toutes et à tous, puisqu'on est en France. On est à Clermont-Ferrand. Et regardez qui c'est qu'on retrouve ici. Nous y revoilà, gros. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez déjà vu, le Justin. On était à Barcelone il y a quelques jours. Et là, on est à Clermont-Ferrand. Regardez ce matos qu'il a, c'est incroyable. La vie est belle, c'est incroyable. On serait pas d'accord pour dire que Clermont-Ferrand, c'est la plus belle ville du monde? Je crois qu'on est d'accord. On est d'accord, frère. Bon, peut-être qu'on exagère un peu, ou peut-être pas. C'est paradisiaque, il y a même des fumerolles. Place des Carmes, alors on va peut-être pas vous mentir, pour le skate, Clermont-Ferrand c'est pas la meilleure ville comparée à Barcelone ou quoi. Mais maintenant il y a cette nouvelle place, donc place des Carmes. Bon, la place existait, mais ils l'ont refaite. Et donc il y a plein de possibilités, à commencer par la petite palette à wheeling où on va s'échauffer, je pense. Derrière, pour les Clermontins, vous le savez, il y a les gros blocs. Palette à wheeling ici et curb, mais comme il y a la fontaine d'eau, on peut pas trop le rouler. Comment ça avance l'installation? Ça va, mon gars, ça reflète, c'est affreux ça. Ça reflète. Moi perso, un peu fatigué, juste un courbaturé, il a fait session hier. Mais on va arriver à rouler un peu, donc j'espère que vous allez kiffer tout ça, les boys. Ça peut durer, hein. Ça peut être magnifique. Allez, allez. Il y aura certainement plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on commence au Carme. Peut-être qu'il y aura une session Marcombe. On verra tout ça. Je filme une première vidéo tout de suite. Peut-être qu'il y en aura 2, 3 ou 4 ou 100. On verra bien. Ah oui, juste une petite chose avant de commencer. J'ai dit à Justin, j'ai trouvé un spot de malade. J'ai envoyé une photo à Nico aussi pour qu'il voit un petit peu ce que ça donne, s'il veut prendre des photos. Mec, c'est incroyable. Hein. Le truc là, c'est monstre. Je suis curieux, mon gars, parce que personne. Ça a jamais été skaté, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de traces dessus et c'est très dangereux. Ah ouais. Je te le montre tout de suite ou pas? Je sais pas si je vais porter mes peut-être une prochaine fois. Mec, t'es pas prêt, hein. T'as eu un œil barcelonais là-dessus parce que... En fait, je suis allé faire un petit tour pour voir s'il y avait d'autres spots. Je suis arrivé de ce côté de la place et j'ai eu un autre angle du coup sur la place. Mec. Fine. J'ai dit, attends, ouais, je te montre le... J'ai dit, j'attends tout. Toi, t'es chaud ça? Mec, ça serait ouf. Tu peux décider! T'es fou, hein! T'en penses quoi? Ah bah, c'est magnifique! Bah, mais bien sûr que ça n'a jamais été skaté! Et bien sûr que personne n'a vu le spot! Bien sûr, gros, t'es fou! Aïe aïe aïe! Bon, on va réfléchir à ça. En tout cas, faudrait faire une photo aussi parce que la photo peut être ouf, gros! Ah bah, d'en bas ou là-bas? On verra si on arrive à se chauffer ou pas! Mec, ça me fait peur, hein! Moi, je pense que c'est possible. Après, la planche, il y a beaucoup de risques qu'elle tombe dans l'eau. Je sais pas, gros, mais ça serait monstre. Ça serait monstre. Des titoseries, on est là pour les titoseries, Tito. Ouais, parce qu'on peut déplacer la palette à wheeling pour changer l'angle. Qui va sortir d'ici normalement. Ouais, je vais me mettre derrière, ça va être fat. Tu vas disparaître, gros. On attend que ça se lève. Ah, ah. Est-ce que ça va se lever? C'est ça la question. Ça, vous êtes pas trop mouillé?
mais là-bas ça glisse, gros. Ouais, c'est vrai. Il y a du matériel. Ça déconne pas. Petit peu de curb. Tu as du curb, Tito? Quelques trucs sur le curb? Oh yes. Il a annoncé slap, Tito. Tito. On abandonne le navire. Flip back tail ici. Et gros, en vrai j'ai envie d'essayer un truc là-haut. On va checker. Je dis pas qu'on va le faire, mais no slide. En vrai, faut un régular. Un régular, il peut faire no slide. Check comme un ouf. Allez. À Barça, on avait fait un petit test de réflecteur, ce n'était pas concluant parce qu'il était trop type. Là, on a sorti les vrais réflecteurs et c'est archi concluant. On peut voir que Simon est éclairé de manière qualitative. Il y en a deux et ils sont deux fois plus grands. Et ce qui est bien, c'est que ça rajoute un peu de chaleur. Bon, on a fait des plans tout à l'heure sur le banc. Un four. Donc là, du lourd, c'est efficace. Test validé. Paf, paf. Petit cochage. Lourd. Oh, c'est magnifique, ma gueule. Ah, j'ai préféré aussi. Il était méga fichu, bien ouais. Bon, on va checker le grind en haut. Mais c'est très très haut. En plus d'être dangereux, c'est très très haut. Mais ça serait dingue. Pour que ça soit le moins dangereux, je pense qu'il faut faire un Smith. Faut pas tomber de ce côté. La photo prise d'en bas, ça serait incroyable. Si jamais on le fait aujourd'hui, on n'a pas l'appareil photo, mais il faudra revenir avec Nico pour shooter. Nico qui nous fait des photos de ouf. Ça se trouve, en fait, on va pas du tout le shooter, ça va être trop dur. Allez, c'est parti. Ça me fait pas vraiment rire en fait. Non, le Smith c'est peut-être jouable, no slide. Pour les régulars, no slide, je pense. Faut pas passer par-dessus quoi. Très mauvaise idée. Regarde. Oh, là-bas. Je pense que si j'avais vu ici déjà, j'ai pas voir que c'est là. J'avais vu ici. A voulu à l'Astrail avant de partir parce qu'on s'est dit que là c'était fini, mais il a dit je suis chaud, il va à l'Astrail. Est-ce que ça a passé? Allez boy! Trop lourd. Là j'aurais mis le poids, je serais monté un peu, j'aurais pu le sortir. Ouais, mais j'ai pas fait exprès, mais... Super, super dur, le Smith ici. Il y aura une revanche, je pense, parce que c'est pas rentré. C'est même pas plaqué, c'est loin d'être plaqué. Non, bah c'est quand même... placé, glissé. On aura essayé, mais c'est vénère. Hein. Là, la hauteur, ça arrive. Donc c'est assez tendu, mais pour la photo, moi je la veux, je vais revenir, je vais faire cette... Désolé, le téléphone s'est encore coupé, surchauffe de l'appareil. 32 degrés aujourd'hui à Clermont-Ferrand, ça surchauffe en balle. Pas de Smith pour aujourd'hui, mais ça sera, comme dirait Justin, partie remise. C'est pas grave, on reviendra. Il faut prendre absolument la photo de ce truc, moi je vais m'acharner dessus. Il faut le mettre, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Même. Ça va être NBD, mon gars. NBD.
On est bon, on fait quoi, on décolle? Allez, on décolle. Bon, qui c'est qui se jette sur le gap, le plus gros drop-in de Clermont? Il est malade, ça n'a jamais été fait, évidemment. Mais on n'est pas l'abri qu'un petit fou aille sauter d'en haut. En vrai, c'est nimp, gros. Ça va, ça va. Je vous mettrai une photo, j'ai pris une photo tout à l'heure. Il y a, je sais pas, il y a 50, 3 mètres, 5, presque 2,50. Et à la fin, t'as le bain qui après, est tu énorme. Énorme et tu ouais, fais, et c'est mort. Le truc, c'est qu'à la fin, en plus, tu crois que t'as fini. Donc t'as 2,50 m de gap. Après, t'as 100 en largeur, 1,30 m. Le roll-in, et après, bah, pour atterrir, t'as les voitures déjà, donc faut avoir un peu de chance pour passer. Et t'as aussi le trottoir. Je sais pas, il y a 1,30 m de trottoir, pareil. Ouais. Par contre, si un jour c'est fait, ouais, c'est magnifique. Mec, c'est le plus gros spot de Clermont. Allez chercher tous vos contacts ricains qui font des gros drop-in comme ça, on veut voir ce truc. Mais les gars, que ça soit fait par un Clermontin. Hein. Ah, ce serait le mieux. Aïe aïe aïe. La jeunesse clermontoise. Bon, faites-vous pas mal, mais allez shooter ce truc. Bueno amigos, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle est sortie un peu plus tard que prévu, puisqu'on a filmé une petite pub avec Justin pour une nouvelle épicerie vegan de Clermont-Ferrand. Et la vidéo vient juste de sortir. Je vous laisse d'ailleurs un petit extrait, mais allez la checker sur sa chaîne si c'est pas encore fait. Il y a eu du gros travail chez Well Productions. D'ailleurs, si vous avez besoin de vidéos promotionnelles du genre, vous savez maintenant à qui faire appel. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.